Bonjour tout le monde. Quelques idées, hein, c'est mon opinion envers le fait de se justifier. Il y a quelqu'un qui dit la vérité, c'est-à-dire, bon, je ne parle pas des cas exceptionnels, des cas où la personne est accusée, elle est innocente, ils l'ont accusée de quelque chose, je ne parle pas de ça, des cas un peu sévères. Je parle le quotidien, dans notre quotidien. Regardez, essayez de compter combien de fois on se justifie. Pour le retard, pour rien du tout. Vous savez, on est en train d'accumuler, on est en train de... on dirait qu'on est en train de conserver, de stocker. Stocker quoi? Stocker une énergie négative. Attention. Se justifier. Maintenant, si la personne dit la vérité, c'est-à-dire c'est vrai, hein? On dit c'est la vérité, essayez de l'éviter. Car vous êtes en train de créer un état stationnaire. Si la personne elle ment, alors là c'est un désastre. Pourquoi les enfants, regardez aujourd'hui, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui se passe ici? La faute, elle est une faute, c'est une faute. La faute, vous ne pouvez pas encore l'analyser, car elle est un potentiel. Elle est un potentiel, elle peut être positive, elle peut être négative. C'est à vous, comment concevoir la faute, comment vous l'acceptez. On dirait qu'il y a, il y a un conteneur. Vous allez recevoir le contenu, un liquide. Le liquide, vous ne pouvez pas attribuer le mal ou la couleur au liquide. Vous devez l'attribuer au conteneur qui a été soumis, qui accepte. C'est lui qui va convertir. Il est dans un état fluide. Je parle du cerveau. Comment vous acceptez la faute? Le sincère, il n'est jamais, il ne perd jamais, il n'est jamais le perdant. Il sent un petit malaise temporaire, mais ça se convertit en énergie positive. Comment voir ça? Regardez. La personne, elle veut tout d'un coup pour une réputation quelconque, elle veut trouver une réputation. On dirait qu'elle cherche un idéalisme. Je ne fais jamais de faute. Je me justifie tout le temps. Elle cherche un idéalisme. Regardez la faute, qu'est-ce qu'elle fait? Comme je viens de dire, c'est potentiel. Vous acceptez la faute. Vous avez cassé une tasse. Les verres, les morceaux de glace, les morceaux de verre. Et vous dites, j'accepte ça, c'est une faute. Les morceaux de glace, les morceaux de verre demeurent dehors, sont dehors. Vous le jetez. Mais si vous justifiez, vous trouverez des alibis et tout ça, les morceaux de verre vont être transférés vers votre cerveau. C'est le cerveau qui va être brisé. Regardez comment vous en êtes en train de faire. Justifie avec des alibis, des excuses, et c'est des faux. C'est le faux. On fabrique le faux. La faute, vous faites la faute, vous êtes fautif. Vous l'acceptez, comme je viens de dire, c'est une force potentielle. Si vous vous taisez, qu'est-ce qu'elle fait, cette faute? Il y a chez nous, chez l'être humain, il y a des forces, c'est des vibrations, on dirait. On parle aujourd'hui negative vibes, positive vibes, on dit c'est des vibrations positives, négatives, on attribue ça aux gens. Oh, cette personne, je ne me sens pas, elle a des vibrations, on dirait qu'elle dégage. Elle dégage des vibrations négatives et elle a cela. Et j'ignore complètement que ça me concerne. Je n'attribue pas à moi. Moi-même, ces forces qui étaient avaient une tendance de sortir pour justifier. Qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle avait une force potentielle pour être développée. Elle l'avait externalisée, c'est-à-dire explosion. On dirait que feu d'artifice, je ne sais pas. Ça y est. Elle a trouvé un justificatif. Ensuite, les gens l'ont cru. Ensuite, ça y est, elle est à l'aise. Or, si elle avait
accepter, c'est-à-dire elle accepte d'être fautive. Et avant même les gens vous voient ou ne vous voient pas, ne vous justifiez pas. Cette force, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient une force implode, au lieu d'être explode dans le sens explosif, mais pas implosif dans le sens de causer des explosions. Au contraire, c'est, moi je trouve pas le mot, je ne sais pas, c'est des forces qui se développent. Et comment elles se développent? Elles ne développent pas une force momentanée. C'est une force qui vous donne un état, si on veut, autogénique, c'est-à-dire elle donne une énergie constamment. À chaque fois que vous avez quelque chose pour se justifier, essayez de le laisser dedans. Vous ne vous justifiez pas. C'est-à-dire, vous allez développer une énergie. Cette énergie, c'est responsabilité. Mais il y a d'autres choses. D'autres choses qu'on a au niveau du cerveau. On crée dans notre vie, on crée des stagnations. Ensuite, on dit pourquoi je me sens stressé. Pourquoi je me sens... mal à l'aise, toutes sortes de malaise. Vous savez, ce qu'on appelle dopamine au niveau du cerveau, sérotonine, GABA, il y a pas mal d'autres. Comment l'hypothalamus distribue ce genre de glande? On crée une stagnation pour nous-mêmes. Ensuite, on dit pourquoi je me sens mal à l'aise. Normalement, la personne, même le malaise quand il vient, le malaise, par exemple, c'est une faute, on vient de parler d'une faute, il y a des remords de conscience, des fois, si la faute, une gaffe, ce n'est pas une petite faute. Mais le cerveau, comment il conçoit, si la personne est sincère vis-à-vis de l'invisibilité, l'invisible, sous une supervision seigneuriale, ce mal, il vient, il devient positif. Il n'y a jamais le malaise. Il y a un verset dans le Coran que Dieu dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ». Il a dit « Ala » en arabe c'est qu'on dit « n'est-ce pas ». Ce n'est pas uniquement « n'est-ce pas », c'est que vous ne trouverez jamais. Il sait le confort, il a dit le confort des cœurs. Mais il a dit dans le mot dhikr, alabi dhikril, dhikr, le mot dhikr en arabe, c'est la conscience, c'est le rappel. Si la conscience, elle est constamment, elle est exposée à une vue seigneuriale, la faute elle-même, elle ne va pas déranger, elle va déranger la personne, c'est-à-dire des remords, mais des remords qui se convertissent en énergie positive. Il y a des forces, on dit, des forces centrifuges qui s'éloignent du centre vers la périphérie. On a des forces centripètes qui viennent de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire, c'est à partir de l'extérieur vers l'intérieur. Si la personne, elle a tout le temps ce genre de... Regardez, la foi, elle vous dit tout le temps de se rétrécir. Elle vous donne tout le temps de se rétrécir, accueillir, il y a tout le temps ça. Alors que vous ne le trouvez jamais aujourd'hui, c'est presque impossible. Il n'y a que des forces offensives de l'être humain. C'est pour cette raison que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je change un peu de sujet, il dit la foi et la pudeur sont, on dirait, jumelles, sont deux identiques, ils marchent ensemble. Si vous enlevez l'un d'eux ou l'une d'eux, l'autre disparaîtra. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est que vous faites un effort pour comprendre Dieu, pour aller en avant, pour essayer d'accueillir. Ensuite, vous ne pouvez plus, vous ne pouvez pas. Cette soumission, vous dites, ça y est, je ne peux pas. Vous exposez votre incapacité, l'ajz on dit en arabe, mais cette l'ajz, cette incapacité, c'est elle-même, elle vous rend l'état de retraitissement, c'est-à-dire vous revenez tout le temps, vous montrez votre humilité. La pudeur, la même chose. Lorsque la femme, une femme qui a cette pudeur,
avec la pudeur et la, je parle la femme parce que c'est le symbole, l'homme aussi, car elle gardait là un trésor, un grand trésor. Mais si le contraire s'applique ou je ne sais pas, ça, il n'y a plus de trésor, tout est dispersé. Que Dieu vous protège, on se verra plus tôt dans le